S'il vous plaît, oh non, qu'est-ce que vous attendez de moi? Tu ne seras bientôt plus qu'un fantôme. S'il vous plaît, je vous en prie. C'est un peu tard. Allez, salut. Arrivederci. Oh, je rêve ou... Je suis un fantôme. Qu'est-ce que... Oh, je ne peux pas croire. Oh non, c'est moi. Oh, qu'est-ce que c'est tout ce bruit? Oh, Sion. Je suis là aussi. Tournez-vous. Oh, il ne peut pas m'entendre. Qui a bien pu faire ça? Oh, cette arme. Oh, non, les gars, c'est pas ce que vous pensez. Je suis choqué. Comment t'as pu faire ça? Tu dois me croire, s'il te plaît. Tu tiens l'arme dans ta main et tu veux nous faire croire que c'est pas toi? Alors, au tribunal, ça mérite une punition. Attendez, vous pensez que c'est moi, mais je ne suis pas le tueur. Non. Vous ne pouvez pas me voir? Oh, je sais. Je dois les avertir que Red n'est pas le tueur. Et toi, je te parle, mon garçon. Voyons si... Quoi? Oh, mais j'ai senti quelque chose. Qu'est-ce que c'était? En plus, c'est quoi? C'est une preuve. Oui, il y a du sang sur le pistolet. Mais enfin, comment tu as pu faire ça? J'aime pas la violence. C'est tellement bizarre. C'était délicieux. Orange. Non mais non, je suis pas le tueur, mais qu'est-ce qui te prend? Enfin, Explique-toi alors. Mais je vais le faire, les amis. Ce n'est pas ce que vous pensez. Vous voyez, plus tôt dans la journée, j'avais un peu faim. Enfin, comme d'habitude. En levant les yeux, oh, j'ai vu cette assiette de nourriture, j'ai couru. Je me suis approché, mais je me suis précipité pour la prendre. Yellow avait tout bouffé. Ouais, il a tout bouffé. Alors ça m'a énervé. J'ai décidé de me venger. J'ai modifié son circuit en coupant. Et ça l'a fait s'envoler. C'était mon plan pour récupérer la nourriture. Tu vois? T'es vraiment un gros vilain. The Cuisine depuis 7h du matin. Oh, comment oses-tu? Attends, c'est toi le menteur. Mais enfin, non, t'as mal compris. Ça ne marche pas. Peut-être que si... Oh, bien sûr. Les caméras surveillent toujours cet endroit. C'est quoi cette sensation encore bizarre? Oh, mais il y a une caméra ici. Mais les gars, réponse au mystère dans quelques instants. Voyons ça. Mais... Oui, regarde là. C'est le tueur. L'un d'entre nous a tué Sion, et c'était Red. Les gars, ce n'est pas ce que vous pensez. Explique-moi pourquoi t'as fait ça. Enfin, j'ai pas d'explication. Elle était déjà morte. Ce n'est pas bien. Peut-être que si je les préviens... je m'en occuperai. Oh, encore? Il y a encore du sang ici. Détective Blue ne se laissera pas avoir. Oh, la galère. Il y a des indices. Mais quel est cet endroit? Oh, c'est sombre. Hé, Blue, regarde! Il y a des vêtements ici. Détective Blue a compris. L'un d'entre vous s'est fait passer pour Red. C'est toi, Green. Ou peut-être toi, Purple. Red. Non, c'est toi, Purple. Oh, mais tu t'es fait passer... pour Red. Oh, mais qu'est-ce qui te fait penser ça, enfin? Mais enfin, regarde tes pieds. Oh, bien sûr. Cet endroit a la même forme que ton pied, Purple. Nous avons trouvé le coupable. Alors, les amis, vous avez résolu le mystère. Vous voyez? J'ai toujours été un monstre adorable et aimé par le reste des enfants de ce parc. Je me sentais vraiment comme une star avant qu'elle arrive. Sion, elle m'a volé la vedette du parc et les enfants n'en avaient que pour elle. J'ai été mis de côté à l'écart.
Juste parce qu'elle connaissait le karaté, je n'allais certainement pas rester les bras croisés comme ça à me faire voler la vedette. Et j'en avais après Red. C'est lui qui avait tout manigancé. J'ai décidé de les supprimer tous les deux. Alors j'ai versé de la peinture. Je me suis déguisé. Oui. J'ai établi un plan diabolique pour les faire disparaître tous les deux. La prochaine disparition, ce sera toi, Purple. Je préfère mourir en enfer. Oh, il s'inquiète vraiment pour moi. Je sais comment nous allons régler le problème. Mais Derry, grâce au super pouvoir de la science, tu vas voir. J'espère que ça va marcher. Voilà, c'est prêt. Réveille-toi, science. Réveille-toi. Je vais les faire payer pour ça. Pauvre créature maléfique. Nous sommes prêts à combattre le crime. Je suis à l'heure. Moi, je suis le crime. Oh oui, tu verras. Prends ça. Oui, ça fait mal. Tu t'attendais pas à ça, hein? Mais pas assez! Je suis en vie! Oh non! Je vais vous dégommer! Oh bah non, mais qu'est-ce que tu as peur? Oh là, non! Oh, pas ça! Je suis encore en vie! Oh ben, c'est lui! Dis-moi que tu respires! Oh, ça doit être un cauchemar! Bien sorti! J'ai volé un bonbon! C'est juste ça! S'il te plaît, tu mérites un... Reste calme, s'il te plaît. Ah, c'est quoi? Oula! Oh là, j'avais belle! Oh, je vais vous dire ce qui s'est passé. Opil a été soignée par Sir Anton parce qu'elle ne pouvait plus voler. Ils ont essayé de soigner son aile, mais rien n'y a fait. Sir Anton réfléchit. Et il a eu l'idée d'injecter un liquide jaune dans son corps, ce qui fit immédiatement son effet. Elle était guérie. Au moment où ils sont partis, j'en ai profité pour prendre l'aiguille que j'ai utilisée. Et bien sûr, la seringue qui va avec. J'ai juste oublié un détail. Sir Anton l'avait remarqué. Alors, j'ai dû lui mentir et m'enfuir le plus vite possible. Mais j'ai échappé quand je pouvais. Et le liquide a volé dans les airs et a explosé au sol, réveillant l'un des Skibini. Sir Anton voulait me punir en m'injectant cette potion. Mais au moment où il allait le faire, le Skibini lui a mordu la jambe. Grâce à lui, j'ai réussi à me libérer et à attraper un peu de liquide. Je me suis échappé de là. Il semblait que Sir Anton s'était transformé en Skibidi. Cette fois, ils voulaient tous les deux m'attraper pour récupérer la potion. Je ne pouvais que courir, que courir, que courir. Sir Anton s'est transformé en personnage maléfique. Il a mordu Gris, puis Opila et même Player. J'avais tellement peur, je devais me dépêcher. J'ai fait une expérience rapide pour trouver l'antidote. Et c'est là que Sheriff et Bunselia ont prévenu que tout était devenu incontrôlable. Je leur ai expliqué que j'avais trouvé le remède, mais ils avaient encore très peur. Alors Sheriff a pris le remède et l'a injecté dans son bras. Il voulait être le héros. Lorsque Green est apparu, il nous a regardé d'un air menaçant. Et Sheriff l'a sauvé avec un super éclair. Elle Bunselia s'est jointe à l'équipe de rescousse. Tout allait bien jusqu'à ce qu'Opila me prenne l'antidote des mains et s'échappe avec.
ne manque plus qu'un élément pour nous sauver. Retrouver cet antidote. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Allez, c'est le remède. Oh, c'est pas possible. Vous l'avez. Oh non, c'est la fin pour moi. S'il te plaît. Oh non, pas là. Bon, là, je dois courir vite. Vite. Tu ferais mieux de courir et vite. Oh non, dépêche-toi, bon Célia. Il va nous rattraper. Oh non. Maintenant, ce sont des déchets. Arrêtez tout de suite. C'est perdu d'avance. Oh, vous êtes sûrement... Je vais devenir votre pire cauchemar. Ah. Oh non, c'est pas possible. Vas-y, Van Van, on est avec toi. Ils ne peuvent pas nous battre. Allez, les gars, on va en finir. Montrez-nous ce que vous avez dans le ventre. Oh non! Ah mon Dieu! Yes! Vous êtes meilleurs! Je suis innocent! Laissez-moi partir! Ce n'est pas un procès! Oui, c'est si une je me suis pas maintenant, je vais mourir bientôt! Oh là! Tiens, voici mon arme fatale! Même pas mal! Oh, mais ça va jamais finir! Oh! Oh non! Oh! Il s'en est fallu de peu, mais je suis là. Oh, il est temps de prendre l'air. Oh, oh, je préfère pas regarder. Oh là. Oh, oh. N'en fais pas trop, c'est juste une promenade. Et c'est fini. Ouf. Salut. Oh non. Vite. Oh, c'est injuste. Mais où te casses-tu? Ah, le ballot, t'étais vraiment pas bien cassé, hein? Mince, je suis tombé dans le piège. Oh, c'était un leurre. Ah, comment ose-t-il? Oh, j'ai failli mourir. Voilà, bah, je reste ici, moi. Voilà. Oh! Oh non, le béton! Je suis capable de tout sentir et tout ressentir. Oh, il est là. Ma vie est en danger. Oh là! Oh non! Oh, le maladroit, mais c'est pas possible. Hello, alors je savais que tu étais là. Non, je le trouve toujours pas. Oh, il semblerait que j'ai réussi à me camoufler. C'est un... mais c'est quoi ça? Ouvrons. Tu m'as trouvé. Je t'ai cherché partout. Mais qui c'est qui t'a fait ça? J'ai bien eu peur. Je vais te dire, mon frère, il était tellement obsédé par la compétition avec moi qu'il a jamais cessé de chercher des raisons pour arriver à ses fins. Mais les choses tournaient toujours mal pour lui. Alors quand je réussissais, il devenait jaloux de mes succès et il se mettait dans une colère de dingue. En fait, tout cela, ça vient de son cœur qui est tout sombre. Mais mon père a toujours été présent dans ce genre de situation. Peut-être que tu pourrais commencer par voler comme ça. Tu vois, tu es prêt à passer à l'action? Regarde papa comme il fait. Me voilà, mais je ne disais pas d'elle. Mince, voler, c'est libérateur. Enfin, quelque chose. C'était très dur pour moi. Presque une tragédie, mais mon père a décidé de travailler sur une expérience pour que je puisse sentir l'air. Et pour tout vous dire, bah, c'est l'un des plus beaux cadeaux que j'ai reçu de ma vie. À l'école, tous les enfants adoraient regarder mon frère surfer dans le ciel. Oh là là, il était tellement doué pour ça. Il faisait des acrobaties aériennes comme un oiseau. C'est pour toi. Oh, super. Non, mais par contre, moi, quand j'avais mon nouvel hélicoptère et que les autres enfants, ils ont vu mon jouet, ils se sont vite rassemblés autour de moi. Mais c'est un jouet de rêve. C'est déjà trop. Ça suffit.
Mais mon frère avait donné un coup de pied à mon hélicoptère et il s'est écrasé sur moi. J'ai pas pu le contrôler. Alors, on n'a rien de temps. Nous avons écrit « Hello » dans le ciel. Et tout le monde était émerveillé. Ils ont cru qu'on avait fait exprès. Je me suis écrasé sur un pommier et les fruits sont tombés sur tous les enfants. Ben, au moins, ils avaient tous à manger. Tiens. Enfin. Après, c'était moins rigolo parce que je suis tombé dans la boue et tout le monde a vu ma chute. Tout le monde se moquait de moi. Je n'en revenais pas, je me sentais humilié. Alors je me suis enfui. Et en courant, je suis cassé la figure contre Red. Et voici quelque chose que j'ai fait pour toi. Ah ouais? Oh. Ok, d'accord. Rose avait créé un moyen de me redonner des ailes. C'était la meilleure invention qui les a jamais faite. Tous les enfants du parc de l'ami des Rainbow Friends voulaient que je le fasse voler dans les airs. Et j'ai adoré ça. Les enfants riaient et s'amusaient. J'adorais voir les enfants s'amuser. Mais quand mon frère a vu que j'avais des ailes, il a décidé de prendre une batte. Il est devenu fou, fou de colère. Il est venu vers moi et m'a frappé fort. Oh, et oui, t'es sous mon contrôle maintenant. Oh, arrête de parler, écoute-moi. Comme je n'aime personne, je vais supprimer tous tes amis les monstres. S'il te plaît, non. Tu parles trop. Il a mis du ruban adhésif sur ma bouche et m'a enfermé dans cette boîte. Je ne sais pas depuis combien de temps, et maintenant il essaie de nuire à tout le monde. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Oh, allons chercher le truc. Regarde qui est là. Comment on se retrouve? On veut rester en paix, ça suffit. Comme tu voudras. Oh! Non, lâche-le. Blue. Oh, oh non, je vais pas mourir d'en haut. Oh là là, non. Oh là. Allez, oh, salut. Adieu, monde cruel. Je ne peux pas. Ça va être la fin pour moi. Je viens te sauver, Blue. Ouais, t'es un héros. Allez, long, t'es mon héros. Bah, y a plus de raison de s'inquiéter, hein. Quoi, pas encore, j'en ai marre de vous. Oh non. Abandonne ton plan de toujours vouloir gagner. Je vais gagner. Tu mérites ça. Ça va te coûter la vie. C'est ma fin. Oh non, c'est le moment d'être un héros. Allez, je vais t'avoir. Et voilà, je t'ai rendu l'appareil. Oh non, il n'y a pas d'issue, je veux pas mourir aujourd'hui. Il n'y a rien à faire. Oh non, j'aime pas l'eau. Oh, plus j'aime pas avoir des poils sur tout le corps. Red était en train encore de développer un de ses projets maléfiques. Il voulait transformer tous les monstres en chats. Yellow a été sa première victime. Son esprit était effrayé. Il ne voulait pas subir cette transformation. Mais Red semblait gentil. Oh, il l'a amadoué. Et Yellow s'est transformé en chat. Ensuite, Red lui a donné des instructions. J'étais caché, j'ai tout observé, tout entendu. Red ne voulait pas seulement transformer les monstres en chats. Il voulait se transformer en chien pour nous poursuivre. Yellow a trouvé Green à côté des Lookies en train de jouer. Et Yellow a décidé de s'approcher de lui. Mais son ombre a fait peur à Green. Enfin, pas longtemps, parce qu'après, il a trouvé le chat qui était mignon. Il l'a caressé. Mais comme un gros bêta, il s'est fait mordre. Et du coup, son corps s'est transformé en chat, lui aussi. Et Red regardait tout ça. Quand Green s'est retourné, il a vu Orange.
Et du coup, eh ben... grâce à son pointeur laser, il l'a, boum, transformé en chat aussi. Il avait presque transformé tous les Rainbow Friends en chat. Green se dirigea vers Cyan et Purple. Eux, ils étaient en train de jouer, ils ont vu un petit chat, ils se sont dit « Waouh, c'est trop mignon !» Ils avaient oublié que c'était un chat bizarre. Et Purple a été transformé, lui aussi. Red était derrière moi et m'a tiré dessus. Et voilà, je suis un chat. Oh, je rêve ou... qu'est-ce que... Maintenant, tu fais partie de mon projet. La liste est complète. Maintenant, c'est au tour de moi de devenir le cauchemar des chats. Ça, Fifi. Oh, non. Mince. J'avais mangé du poisson. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, non. Et ça y en aura, les amis. Cela va prendre quelques secondes. Oh, vous êtes si adorable, je vous adore. Oh, j'ai jamais eu une aussi bonne invention. Profite. Ça fait mal. Je savais que ça marcherait. Ça suffit. C'était amusant. Je vais en faire un autre. Il est temps de passer au meilleur moment de la journée. Oh, ben... me t'en écrasé. Oups, je me demande qui a laissé ça ici. C'est exactement ce que fait ma mère. Très bien, encore quelques mouvements et tout sera prêt. Oh, mais quel bonheur, aidez-moi. Oh, il y a quelque chose qui va encore plus contrôler. Oh non. Encore un vrai chef-d'œuvre. Je devrais me lancer dans l'art. C'est toi qui as eu l'idée, n'est-ce oui, pas? Oui, tu ne croiras jamais ce que j'ai là. Oh non, tu joues avec la magie. Ne fais pas ça, alors. C'est vrai, peut-être que maintenant ça va être encore plus intéressant. Mon œil. Et maintenant la cerise sur le gâteau. Repose-toi bien, cher Blue. Il se fait tard pour le pique-nique. Où est tout le monde? Hein? Red? Tu cherchais ça peut-être. Regarde. Non, qu'est-ce que c'est? Je vais te montrer, tu vas être surprise. Qu'est-ce que tu racontes? Stop! Je prends feu! Éteins-le, éteins-le! Et maintenant, la dernière étincelle. Quoi? Oh, je suis toute brûlée! Mais il faut que j'arrange ça maintenant. Les distraits, c'est parfait. Mettons du plaisir dans tout ça. C'est parti, regarde. Mais non, mais un ça fonctionne pas. Entraîne un autre clou, comme on dit. Oh! Tu as vu ce pas... jouet, il te ressemble, c'est non? C'est pas possible! Mon corps! Oh. Oupsie, j'espère que c'est pas de ma faute. Ça m'apprendra. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Oh non. Oh, je suis dans les... quelqu'un peut m'aider? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Écoute bien, je vais te réduire à la forme de Loki, regarde. Quoi? Oh non. Il est temps de muter. Dis à ma mère que je l'aime. C'était... Je l'ai fait. Je suis le meilleur scientifique du monde. Maintenant, petit Loki, tu vas dormir dans ta nouvelle maison, regarde, avec les autres. Mon travail ici est terminé. Maintenant, cherchons d'autres monstres. Les gars, regardez. Pas question, non. Je suis plus un monstre. Oh, il est où mon corps? Oh mince. C'est l'heure de jouer. Quel tour magnifique. Oh, mais qui a fait ça?
ce sont tes amis. Oh non. Les amis, vous m'avez fait peur. Mais qu'est-ce que c'est? Bonjour, je peux jouer avec vous? Tu te fous de moi? T'as oublié toutes les vidéos de Armstrong où tu es le personnage maléfique? Regarde. Oui, je sais, mais bon, moi, t'as raison. Ok, allez, voilà la surprise. Je suis génial. Alors, j'adore ce gâteau. Oh, moi, j'adore manger, alors mangeons-le. Allez, partageons-le. Oh, mais... Je suis désolée, je n'avais pas réalisé que... Oh, je le sais. Tu veux ça? À ce moment-là, Red s'est timidement approché de Orange et de Sion parce qu'il avait très faim. Mais Orange n'a pas voulu lui donner une part de gâteau. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis super... Oh, je suis super faible. Tu ne vois pas? Mais non, tu es super fort. Qu'est-ce qui m'arrive? Regarde-toi, tu es super fort. T'es vraiment trop cool. Hey, réveille-toi. Mais en fait, pourquoi tu me regardes comme ça? C'est moi le plus fort. Red en a profité. On était tous là, devant lui. Alors, il a mis toute sa hargne, toute sa détermination pour... Et il a continué. Toujours. Avec ses projets maléfiques, il voulait se venger et il allait le faire. Soudain, les Rainbow Friends ont vu tout ça. Et la foudre, ils ont été électrocutés. Yellow et Blue ont vu la scène. Green a été électrocuté. C'est ainsi que les monstres du laboratoire ont été transformés. Et voilà ce que nous sommes maintenant. N'essaye pas de nous attraper. Non. Essayez-vous de me défier, c'est ça. Vous allez voir. Oula, ça va chauffer. Il est temps pour toi de connaître mon vrai pouvoir. Oula, il va nous tirer dessus vite. Maintenant, tu veux arrêter. Personne ne va s'en prendre à mes amis. Arrête-toi. Allez, ça n'arrivera pas. C'est impossible. Non. Oh! Ilo s'est écrasé juste devant Red. Et alors, il pensait avoir gagné. Red s'est mis à rire, car il l'avait transformé. Oui, Ilo a été transformé en Loki. Il voulait anéantir notre espèce. Il nous a tous transformés en monstres. C'est ça la vérité, vous devez nous croire. Oh mes amis, je me sens mal à l'aise. Nous avons besoin de justice. Les choses ne peuvent pas rester comme ça. Ouais. Où sont mes amis? Tes amis, j'ai failli oublier. Les gars, oh non, je ne peux même pas vous reconnaître. Oh, c'est terrible, mais nous devons vivre la révolution. Allez, c'est le moment de combattre. Oh là, mais qu'est-ce qu'ils font? Oula, oula, ils sont devenus enragés. Oh non. Stop, je peux vous rendre vos versions. Nous sommes à retour. Je sais que vous êtes... Bouleversé, j'allais justement partir, salut! Je crois qu'on a réussi, Blue! Nous voulons aussi revenir à nos versions précédentes! Oui, c'est sûr, mais comment on va faire? Le pouvoir est entre nos mains! C'est parti! Un monstre s'approche. Oh, s'il vous plaît. Je suis Zenny.
monstre maléfique. Bien sûr que non. Je t'ai vu, n'essaie pas de me mentir. Quoi qu'il en soit, je vais te manger. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ah, je vais me faire manger aussi par eux. Bonjour, je m'appelle Mordi. J'adore manger des gens comme toi. Et j'adore les attraper. Mais qu'est-ce que tu fais? Nous devons être fiers de... Oh, nous ne sommes pas mauvais. Oh, oh, ne sois pas paranoïaque. Dès le temps t'appeler Benny. Qui est Benny? Tu vas le rencontrer. Il va arriver d'une minute à l'autre. J'aime pas trop les surprises. C'est injuste. Ça suffit, je vais faire de mon mieux et terminer ce puzzle. Allez. Très bien, voyons. Je vais te montrer, Teddy. Ça va aller, Teddy. J'espère que ça va marcher. Allez, c'est parti. C'est pas ce que je voulais. Attends, je vais le refaire. Alors. Oh non, encore. Allez. Bonjour. Qui es-tu? Je suis Blenny, et regarde, si tu échoues encore, je vais te manger. C'est un risque à prendre, je suppose. Ah ouais, j'ai réussi. C'est pas possible, oh. Maintenant, couleur suivante. Allez, la chance est de mon côté. Ah, c'est comme ça qu'on fait. L'arc-en-ciel, il se remplit. Blenny, je vais gagner ce défi. Eh oh, Blenny. Pas trop vite, petite créature. Maintenant, il n'y a rien que tu puisses... J'ai dit que je ne vais finir avec toi. J'ai gagné la mission, tu triches. Ça fait partie de mon pouvoir maléfique. Personne... Arrête. Non, c'est pas en train de se faire. Oh, bon, je sais ce qu'il faut faire. Allez, mon petit nounours préféré. Oh non, 0%. Je suis Teddy, je vais le faire. Super, allez, c'est le moment. Je suis... Sayonara, loser. Allez. Oh, j'ai mal à la tête. Oh, mais je suis coincé. Tu as l'air et tu es le meilleur au monde, Teddy.